L'amélioration de la qualité de vie de nos populations est l'enjeu de notre mission. Je salue d'ailleurs votre engagement et votre disposition à œuvrer dans une dimension collective à l'atteinte de cet objectif. Distingués conseillers, mesdames et messieurs, dans quelques jours, nous allons tourner la page de l'année 2017 et amorcer l'année nouvelle 2018 avec beaucoup d'espérance, comme le veut la tradition. C'est l'occasion pour toute structure de faire le bilan des actions menées après 12 mois de gestion budgétaire. En ce qui nous concerne, en attendant l'élaboration dans quelques mois du compte administratif, nous pouvons déjà faire un point sommaire sur la tenue de nos sessions. Des sessions extraordinaires ont également été tenues sur des sujets spécifiques. Par la présente, nous sommes à la 4e session extraordinaire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, notre plus gros adversaire, c'est l'État. Il se légitime toujours. Il nous faut donc faire violence sur nous-mêmes pour être à la hauteur de nos espérances par rapport à une gestion rationnelle du temps. Cette dernière session revêt, à mon sens, une importance toute particulière dans la mesure où nous sommes appelés à adopter notre nouveau plan de développement, document de politique générale. Il s'agira pour nous de nous assurer que cet outil de planification, élaboré avec grand soin, est conforme à notre vision sur un horizon de 5 ans. Que cet outil a pris en compte les besoins exprimés par les populations à la base et enfin vérifier sa conformité avec les orientations de stratégie nationale, notamment le PAG. Notre conseil ambitionne à l'horizon 2022 d'avoir une ville bien gouvernée, attrayante, sécurisée, résiliente, à économie prospère avec une administration performante.